Bonjour, je vais faire cette première vidéo pour présenter mon film Féroce qui est en cours de production. Ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé à travailler sur ce film par rapport à la première version du scénario qui a pas mal évolué depuis. C'est pour en résumer, en quelques mots, le film, c'est un court-métrage d'une dizaine de minutes. Qui est un film de genre, c'est un survival, une course-poursuite dans une forêt, donc un vrai film d'action en animation. C'était vraiment l'idée que je voulais maintenir depuis mon film Sedan Roux, mon précédent film, où j'avais déjà travaillé sur l'idée du film de genre. Et ça m'a bien plu, et puis donc j'ai envie de continuer dans cette lignée-là, donc Féroce et dans le même esprit. Un peu différent peut-être graphiquement ou dans la mise en scène, qui était plus contemplatif peut-être dans ce d'en haut. Qu'est-ce que je pourrais dire pour présenter le film? Là, on est en train, ça fait déjà 2 mois qu'on a commencé l'animation. Voilà, ça avance, ça va durer jusqu'en. Ben, le film, on risque de terminer la production en décembre prochain, donc ce sera pour fin 2016. J'espère, si tout se passe bien. Parce que depuis la première version du scénario, on a rencontré énormément de problèmes. Donc ce film, il est produit par Folimage. J'ai présenté ça en décembre 2013 à Folimage et j'ai eu des réactions très positives sur ce concept de film. Mais il y avait des gros soucis de scénario. Donc l'idée, ça a été de travailler avec un scénariste. Et donc moi, comme j'aimais bien l'esprit et le style d'Alain Gagnol, qui est le co-réalisateur d'Une vie de chat, de Phantom Boy, avec Jean-Loup Félicioli, et avant aussi, surtout par rapport à Féroce, de pas mal de courts-métrages qui sont très sombres, très violents, très, très cruels. C'était vraiment ça, cette idée sur la. Donc j'aimais beaucoup ce style-là et je me suis dit que ce serait vraiment quelqu'un qui est un grand cinéphile aussi, Alain, qui ça correspondrait vraiment bien à Féroce. Donc il a écrit une nouvelle version du scénario qui s'est vraiment appropriée parce que c'est assez différent de ce que j'avais écrit au départ. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'ailleurs parce que c'était plus violent, plus cru, plus agressif, plus cruel, vraiment mais ça correspondait vraiment à son style d'écriture, et qu'on retrouve. Voilà, c'est la référence qu'on avait sur ce film, c'était vraiment les histoires courtes qu'on retrouvait pas mal dans les années 80, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, dans la bande dessinée, littérature. Dans les séries, on pourrait dire que c'est un peu le style des Contes de la Crypte, la quatrième dimension, ou la BD Métal Hurlant. C'est ce type de récits qui sont assez sombres et assez pessimistes en rapport au personnage principal. Ça finit souvent mal, c'est toujours des histoires dans cet esprit-là. Donc voilà, donc ça correspondait exactement à ça. Et quand j'ai lu le scénario, c'était vraiment ce que je cherchais. Donc après ça, il y a eu des réactions qui ont été très vives à Folimage entre ceux qui aimaient beaucoup et ceux qui détestaient vraiment. Donc ça a été compliqué, on m'a demandé d'essayer de réécrire. On a fait plusieurs versions de réécriture et puis finalement, à un moment, on s'est dit qu'on arrêtait ça et qu'on pourrait pas faire plaisir à tout le monde. On s'adresse à un public qui aime ce type de film. Donc on ne peut pas faire un film avec un public hyper large pour un film de genre dans cet esprit-là. Donc on s'est dit on va faire le film pour ceux qui aiment ce type de film. Et donc là on a été assez ferme là-dessus finalement. Et ce qui a fait aussi que. On a eu des gros soucis pour les financements. Par exemple, on n'a pas eu de financement de la région. Pour l'instant, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de diffuseur. Le CNC, ça a été compliqué aussi, parce que que ce soit les aides sélectives, on n'en avait pas eu. Mais finalement, le CNC nous a beaucoup aidé
au final. Donc ça, c'était une très très bonne nouvelle parce que finalement, pour l'instant, une grande partie du financement, c'est le CNC. Donc on n'a pas de chaîne, on avance comme ça. Là, on a commencé le film alors que les financements ne sont pas bouclés. J'espère que ça ira, que ça va arriver au fur et à mesure. On a une coproduction avec la Suisse et la Belgique, donc qui prennent en charge une partie des financements, et donc ce sera de la post-production surtout. Donc voilà, pour le reste, je pourrais présenter rapidement l'équipe. C'est tout des personnes avec qui j'ai déjà collaboré avant, que ce soit par exemple Morten Risberg-Hansen à la direction de l'animation, et puis aussi l'animateur principal, vu que pour l'instant il est tout seul. Et Fang Wei, avec qui j'avais travaillé sur son film Banquet de la concubine, et qui s'occupe de la conception, qui a fait la conception et le graphisme des personnages. Et qui va faire de l'assistana et de l'anime sur le film. Loïc Burkhardt au son, bien sûr, je peux pas imaginer faire un film sans Loïc, vu qu'il a fait tous mes films jusqu'à maintenant. Et puis pour les nouveaux venus, la musique sera composée par Rob, voilà, quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, que je suivais depuis pas mal de temps au cinéma. Que ce soit j'avais découvert dans Maniac de Frank Calhoun, produit par Alexandre Aja, et ensuite j'ai vu pas mal de films, que ce soit Les Grands Centrales, Belle Épine, tous ces films-là, et je trouve que c'est un compositeur qui a vraiment un style particulier, qui a un son très particulier, très électronique. Voilà, moi qui suis un grand fan de John Carpenter, c'était vraiment cette idée-là que je voulais avoir pour la musique. Et Rob, c'est quelqu'un qui arrive à s'approprier le film sans essayer de faire comme les années 80 avec le style à la Carpenter, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va faire son propre style, qui est reconnaissable, mais qui est assez différent quand même de ce qui se faisait à l'époque. Donc voilà. Ça, je pense que ça va être vachement intéressant sur le film. Voilà. Donc ça, pour l'instant, on est sur la préparation. Je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça régulièrement, voilà, pour tenir un petit journal de bord sur l'avancée du film, où je parlerai des bonnes nouvelles, j'espère, et puis c'est des mauvaises nouvelles, j'en parlerai aussi. Le film va être compliqué, on sait, ça va pas être facile. On a un an devant nous qui vont. Voilà, nous on s'amuse bien à la fabrication, mais derrière il y a les financements qui vont être. Qui m'inquiète un peu, mais bon, on va essayer de pas trop y penser, et puis avancer, et puis aller faire au mieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis pour une prochaine vidéo, et voilà, merci, au revoir.